je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog pour l'escale du livre de Bordeaux. Donc là je viens de faire 4h30 de train, je suis arrivée à l'hôtel et là je vais rejoindre Limon June à l'escale du livre pour qu'on fasse un premier atelier booktube et Nathan va nous rejoindre juste après. Et puis voilà, je commence justement le vlog maintenant que je suis tranquille à l'hôtel, j'ai posé mes affaires et je vais y retourner et dehors il pleut des cordes, c'est génial. J'ai hâte de découvrir à quoi ressemble ce salon et puis j'espère que ce petit vlog vous plaira. La femme sans honte. Ça va alors, il n'y a aucun problème. Je viens de retrouver Limon June. J'allais faire une grosse gaffe. J'allais ça me laissait mon nom. Presque ton âge aussi. Non, ça va alors. Et donc, on doit faire, comme je vous ai dit à l'hôtel, du coup, on doit. On sait pas ce qu'on doit faire. On cherche. Pour l'instant, on est un peu des exploratrices en fait, voilà. De l'extrême. Mais c'est sympa et le soleil est revenu. Oui. Je sais pas si je crois qu'on voit que des nuages, mais c'est pas grave. Oui, c'est un peu triste là, ton soleil. Et écoutez, on va retrouver Nathan. En fait, je pense que Nathan va presque arriver avant nous sur les ateliers. À savoir quand même que nous sommes censés préparer l'arrivée de Nathan. C'est-à-dire que Nathan arrive comme un prince. Ah, il y a des trucs orange fluo là. Et ben c'est ici. Bon on va vous retrouver sur les ateliers. Je vous filmerai un petit peu le cadre. Et puis... les ateliers, donc comme vous avez pu le voir c'était super, les gens étaient nombreux donc c'est génial. Donc voilà, on a fait des petits challenges sympas. Santé. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et là je viens de rentrer, il est 23h et ça s'est super bien passé, les ateliers c'était trop cool, du coup j'ai trop hâte d'être demain, surtout pour voir un peu l'escale du livre en fait, parce que du coup on a fait les ateliers et j'ai pas du tout regardé le salon, donc demain je vous filmerai un petit peu plus des petites images de l'endroit où ça se passe, c'est pas super grand mais c'est tout mignon, donc du coup je vous filmerai ça. Et puis demain il y a de nouveau des ateliers, puis l'interview avec, la conférence on va dire avec Séverine Vidal, donc ça va être cool. Et puis dimanche je serai libre, donc voilà, un peu pour l'emploi du temps, j'ai essayé de vous faire des petites images, j'en referai demain, et puis j'espère que ça vous plaira de découvrir ce salon. Mais en tout cas les ateliers c'était trop sympa, les participantes, parce qu'il n'y avait que des filles, oui, étaient super adorables, c'était génial, franchement ça s'est trop bien passé. Donc voilà, merci à celles qui sont venues, et franchement c'est à refaire totalement parce que c'était... exceptionnel. Maintenant je vais aller me coucher parce que le train ça m'a crevé, j'ai mal partout parce que rester 4h30 dans le train c'est horrible. Donc voilà, je vais me coucher, bonne nuit et à demain. Et c'est parti pour le deuxième jour de l'escale du livre et là je vais aller prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. Bonjour. Là on est dans la cafette de l'été, c'est ça. Et on attend parce qu'on va avoir les ateliers booktube du deuxième jour. Et madame mange ses chocolats. Et pas le petit déjeuner, à la vôtre. Attends, papa. J'ai découvert assez tard que inventer des univers, surtout créer des personnages, c'est ça qui me motive le plus. Avec qui nous sommes en train de faire un petit tour du salon. C'est très sympa. Et on vient de faire la conférence avec Séverine Vidal, donc c'était super cool. Vous aurez quelques images et peut-être que je vous mettrai le lien vers l'interview. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le salon. Je découvre et c'est super sympa, donc voilà, j'aime bien. Et il y a du monde, donc c'est cool.
chère Limone. Enfin. Bonsoir, nous sommes à Mola, l'antre de, la tentation, et Audrey avait dit qu'elle n'achèterait rien. Et peut-être que... peut-être que je vais craquer en fait. Mais en tout cas, c'est très très joli. J'aime beaucoup. C'est très très grand. Ça y est, c'est la fin du deuxième jour, donc on a eu un atelier super sympa ce matin. Merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment génial. Ensuite, bah, on a fait la petite table ronde avec Séverine Vidal et ça aussi c'était super cool. Donc c'était une bonne journée, j'ai visité Mola comme vous avez pu le voir. Et ensuite le soir on a eu un cocktail dînatoire à l'hôtel de ville, c'était super classe. Mais j'ai pas pris de vidéo parce que genre je me voyais pas trop filmer parce que c'était trop beau, tout le monde était trop bien habillé, c'était assez impressionnant. Donc je me voyais pas sortir ma caméra pour filmer les dorures des murs et tout, donc voilà. Mais c'était super beau, je l'avais mis sur ma story Instagram et Snapchat si jamais vous avez vu. Et donc j'ai trop aimé et c'était vraiment sympa. Et là il est presque, il est quelle heure? Il est minuit et demi, je suis crevée. Je me suis réveillée depuis 7h30 donc c'est la cata. Et il a fait moche toute la journée, vraiment, genre de la pluie, un truc de fou. Mais sinon, j'ai passé une super journée, donc je suis super contente. Et demain, je suis vraiment en tant que visiteur donc de Bordeaux. Enfin, je vais visiter Bordeaux, visiter l'escale du livre que j'ai encore une fois pas vu entièrement. Mais cette fois-ci, j'ai vu le secteur jeunesse et BD, il me reste le secteur littérature générale. Et ensuite, j'aurai tout vu. Donc voilà, j'ai hâte. Et puis, bah merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Et j'espère que demain, ça sera encore bien. Et puis après, bah, à 16h, j'aurai mon train et ce sera fini. Profite de ma chambre d'hôtel encore ce soir parce que demain je l'aurai plus. À demain. On vient de penser à aller à La Lande et du coup je suis très... Est-ce que c'était bon? Sinon oui, le resto était très bon. Ouais, c'était genre très bon. C'était très bon. Genre c'est plutôt beau aussi. J'aime bien le contexte. Voilà, je termine ce vlog maintenant. On est lundi, donc hier je suis rentrée à 21h, mais j'étais vraiment crevée. Du coup, j'ai pas pu filmer la fin de ce vlog, mais ce fut un week-end merveilleux. Donc merci à l'escale du livre de nous avoir accueillis de la sorte. On a vraiment été reçus à merveille et c'était génial. J'ai vraiment passé un formidable week-end avec Nathan et Limone June, c'était trop cool. Et puis aussi avec toutes les autres personnes qu'on a rencontrées tout au long de ce week-end, c'était vraiment fabuleux. Donc merci à tous, à toutes. Et bah, j'espère que je retournerai à l'escale du livre parce que j'ai trouvé que c'était un salon très sympa. Bordeaux est une ville très agréable aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.